Bonjour à tous et à toutes, les Kaisers et les Kaiserines. Je voulais tout d'abord vous dire, avant de démarrer cette vidéo, que je vais bientôt sortir un livre. Je l'ai déjà imprimé, voici une photo. Et je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, une fois que je l'aurai enfin commercialisé sur ma boutique en ligne. Mes très chers Kaisers, mes très chères Kaiserines, je vous souhaite le bonjour et toutes mes salutations. Aujourd'hui, je vais vous montrer, alors ça va être une nouvelle série sur le Saint-Empire Minecraftien. Dans la vidéo des 500 abonnés que j'ai diffusée il y a 2-3 mois, vous verriez la construction de là, il y a l'église et tout. Bon, j'avais fait une série au départ où je filmais quasiment tout. Et finalement, en fait, là, du coup, ça va être du coup le premier épisode d'une nouvelle série. Dans cette série, j'essaierai de faire un épisode par mois à peu près, où je ferai un rapport de toutes les nouvelles constructions que j'ai faites dans ma base. Alors ça, je vous avais déjà montré le gratte-ciel, le petit champ de, enfin, le petit parc là que j'aime beaucoup. Ok, on va monter. Alors ce quartier-là, il est inspiré un peu de Toulouse, un peu au niveau de l'architecture, même si de manière globale j'essaie de faire des sortes de, bon là c'est tout petit, mais des gratte-ciel style gothique un peu, voilà. Bon, faut... Oh merde, attendez, voilà, je suis tombé dans la lave, attendez, je vais mettre mon casque, voilà, je suis tombé dans la lave, c'est formidable. Je vais vous montrer tous les travaux que j'ai fait depuis le... Alors ici j'ai fait, c'est pas tout à fait terminé, mais j'ai fait un petit une petite salle d'auditorium. Alors là, on voit pas, mais c'est là où je mettrai le truc pour faire les discours. Il y aura deux, trois drapeaux. Et là, du coup, on a fait un truc un peu grec, comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si je l'avais montré précédemment, mais là... Alors là, il y avait de la lave partout, mais j'ai tout enlevé pour la déplacer à un endroit plus utile, parce que je trouvais que ça faisait très moche. Alors, là, je sais pas si je vais reboucher, si je vais faire autre chose, je sais pas. En tout cas, je vais pas construire d'autres bâtiments, ce serait un peu bizarre. Enfin, je sais pas encore. Ici, on a des statues, voilà. Alors là, je sais pas si j'ai amélioré, mais voilà, on a un bâtiment comme ça. Il est totalement vide à l'intérieur, mais je trouve assez sympa. D'ailleurs, il faudra que Nicolas me passe la pioche touchée de soie pour que je récupère les émeraudes. Enfin, les blocs d'émeraude. Voilà. Hop. Alors là, voilà, on accède à là où va y avoir l'auditorium. Là, je vais mettre un lecteur de livre, voilà, ce sera tout simple. Alors là, il y a un pont qui mène pour l'instant nulle part, mais ça me mettra à d'autres sections de la ville. Voilà. Ici, bon, vous verrez plus tard. Là, pour l'instant, c'est un tunnel qui mène à l'autre bout de la montagne. Il n'y a rien dedans à part le portail du Nether et un petit musée où il n'y a rien et une vache. Alors là, voici une vache. Là, voici rien. Voilà. Alors là, ça permet d'accéder au pont. Ensuite, là, si je monte par là. Attendez, je vais manger. On a un bâtiment. Alors là, j'ai fait des sortes de gargouilles. Alors ça se voit pas trop, mais c'est sympa. Voilà. Alors là, il y a une sorte de puits. Bon, pour l'instant, enfin, la plupart des bâtiments servent à rien. Alors là, c'est très moche. On dirait c'est fait pas du tout gothique. On dirait presque un truc un peu soviétique. Mais bon, je l'ai construit la va-vite. Voilà. Là, bon, là, c'est des coffres. Et là, il y a mon. Je vous montre. Je vais descendre. Le système de coffre que je rêvais de faire quand j'étais au collège, mais que j'ai jamais pu faire parce que je n'avais pas assez de temps. Voilà, c'est un système de rangement. Voilà, ensuite. Alors, bon, il y a ce bâtiment. Là, dans ce bâtiment, alors l'étage supérieur, il n'y a rien, mais là, j'ai déplacé. Avant, c'était dans les toilettes qu'il y avait dans le quartier style toulousain. Et là, maintenant, j'ai fait enfin, un truc pour faire apparaître de la lave, générateur à lave. Là, il y a une petite culture. Là, il y a un bâtiment. Alors, j'ai pas encore mis les fenêtres, mais il est pas mal avancé. Alors, pour l'instant, je sais pas comment boucher parce qu'il y a les vaches qui montent et tout. Mais voilà, c'est ma culture. Bon, là, il y a une petite sculpture au sol, un petit damier. Bon, ça sert à rien, mais c'est joli. Alors, là, ici, c'est pas un pont, c'est juste un truc pour soit parler aux gens en bas, soit regarder s'il n'y a pas des ennemis sur le pont. Alors, bien sûr, c'est imaginaire hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui vont monter sur mon pont. Là, c'est un autre pont comme ce que vous avez vu tout à l'heure, mais pour l'instant, il mène encore nulle part. Et là, au départ, je voulais faire des statues style un peu réaliste, mais en fait, ça faisait un truc dégueulasse. Du coup, j'ai fait des creepers. Il y a le même écart entre la route ici et la route et entre les différents creepers et tout. Alors là, en bas, tout en bas, c'était de la terre. Alors là, c'est pas joli, mais j'ai mis des lumières, mais c'est pour pas qu'il y ait de mobs qui spawnent. Voilà, alors on va descendre. Alors soit, là il y a un ascenseur à eau, mais sinon on peut descendre par là, ce qui n'est pas vraiment hyper pratique.
Alors là, j'ai fait un truc où il y a des... comme un couloir, mais en fait, c'est juste décoratif. Oh, j'en ai marre des squelettes qui tombent comme ça. Tant que c'est pas un creeper. Alors là, vous voyez les blocs principaux. Alors bon, il y a beaucoup de pierres, là, comme ça. Mais j'utilise beaucoup de la brique, no de la pierre noire qu'on trouve au fond du Nether. Et les blocs qu'on fait avec la verrue du Nether, qui sont rouges, que je trouve très jolis. Voilà, alors là... Vous voyez, c'est pas encore aménagé, mais c'est tout plat. Alors, faudra que j'enlève le truc à haut parce que c'est très moche. Là, voilà, il y a un ascenseur pour aller plus vite. Petite culture au cas où, voilà. Alors, j'aurais dû y aller en plein jour, mais bon. Et là, du coup, alors ça, c'est un des bâtiments. Vous voyez, c'est les bâtiments qu'il y avait tout à l'heure. Et là, j'ai un grand escalier. Je pourrais presque refaire la scène dans Potemkin, où on a plusieurs statues. Voilà, le bronze, il commence un peu à rouiller. Et voilà, on a des statues et tout. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie, disons, entre guillemets, intérieure des habitations. Alors, je suis un génie parce que j'ai construit une ville absolument, par rapport à ce qu'a fait Nicolas, assez immense. Et il n'y a pas un seul habitant à part moi. Voilà, une ville pour une seule personne, c'est le pire projet, que pourrait faire un chef d'État. Voilà. Alors, on va descendre. Bon là c'est les lampadaires là. J'aime beaucoup utiliser les champignons, je trouve ça fait moderne. Voilà, alors dans ce quartier là j'ai mis des bandes rouges comme ça parce que je trouvais que c'était joli, c'est pour ça que j'appelle le quartier Venator, en référence au croiseur de classe Rey Venator de la République dans Star Wars et dans Clone Wars. Il faudra que je me l'achète, la version Lego. Alors là il y a un trou, je vais le laisser et je vais explorer pour mettre différentes... construction et tout. Là, alors là, j'aime beaucoup cet endroit. C'est un de mes bâtiments préférés. Alors là, il y a un petit pont. Bon, il sert à rien parce que c'est pas drôle, mais bon, c'est toujours ça de fait. Et là, du coup, ces deux bâtiments, ils sont reliés par des ponts. Alors, les bâtiments sont vides, hein. L'intérieur est pas incroyable, mais bon, c'est que le début. Ça fait un peu moins d'un an que je suis sur ce serveur. Voilà, là, on a un trou. J'aime beaucoup les trous. Là, vous voyez, il y a le pont. Et les ponts, j'aime bien ne pas mettre de barrière. Comme ça, imaginez qu'il y a des ennemis, ben, vous pouvez les pousser dans le vide. J'en ai marre des Undermen qui me déposent des trucs, c'est insupportable. Voilà, alors là, on va encore monter sur un pont. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, conseil, quand vous avez des barrières, des fenêtres, des barreaux ou des trucs comme ça, eh ben, mettez-en deux comme ça sur le côté. Et mettez un truc du Nether comme ça, vous verrez, vous pourrez rentrer, mais aucun mob ni aucun animal ne peut rentrer. Donc ça fait une meilleure défense que les portes ou les barrières, parce que comme ça, comme il n'y a pas besoin de... Ah! Ok, d'accord, ça c'est intelligent, ça. Bah, évidemment, j'ai mis au meilleur endroit. Voilà, alors j'aime bien mettre des arbres comme ça sur les toits, je trouve que c'est joli. Puis dans la vraie vie, j'adorerais construire une ville gothique. Et bon, ce serait plus joli que ça quand même, mais c'est pour ça, en respectant les règles d'urbanisme moderne, il y a quand même besoin de mettre des arbres un peu partout, dont les toits des immeubles. Voilà. Alors, du coup, voilà, c'était sympa. Est-ce que j'ai d'autres trucs à montrer? Je crois pas. Ah oui, si. Ouais. Non, c'était pas là. Ok. Bon, bah, je vais vite fait vous montrer la grotte, histoire de que vous ayez une idée de à quoi ça va ressembler, peut-être dans un prochain épisode. Par contre, je veux pas que les creepers explosent. Alors là, mais il y a des creepers partout. Oh, je déteste les creepers. Voilà, il y a plein de petits lacs comme ça qui sont comme ça au bord du vide, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'essaierai de faire des sortes de jardins ou un truc comme ça. Ou une fuite de la ville. Voilà, comme ça restera aux bombes nucléaires. Non, j'aime beaucoup cet endroit, j'aimerais bien le coloniser. Et oh. Non, c'est juste de la terre. Voilà, bon, bah, je me suicide. Et au revoir les Kaisers et les Kaiserines, au mois prochain, à peu près.